Un petit big up à Elam, c'est son frère Bokeh. Voilà, production. Donc voilà, c'est bon quoi. Moi, je suis. Voilà quoi. Donc voilà. Elam, c'est Bokeh. Ouais, un petit big up. Donc voilà, vas-y, écoute, ça fait. J'ai posé tous mes flows. Je leur dis que j'ai pas assez taffé. Mes cas dit que tu pourras pas tester parce que voilà, ils veulent être vulgaires. Et ils me parlent derrière moi. Donc ils ont pas les couilles. Voilà, production. C'est pour Elam et Bokeh. Dédicace à vous de petite terre à la grande terre. Moi, j'ai peur de personne. Le Pera, je suis un perso. Je suis un solo. C'est pour ça que vous parlez de moi parce que je suis seul. Ne vous inquiétez pas. J'ai des gars sûrs qui sont à Marseille. C'est des dangereux. Si tu veux venir faire le fou. Nous, on est nombreux. À quartier nord, on peut te la mettre dans ta gueule, tu vas rien comprendre. Nous, on est dangereux, on est nombreux. Donc, tu veux faire tester, le fou, même tester parce que tu pourras pas. Parce que moi, je viens de où? Quartier nord de Marseille, on est dangereux et on est nombreux. Tu veux nous tester? Viens pas nous tester parce que tu auras ta mort. Des Kalachnikov, j'en ai vu dans mes yeux. Des armes, j'en ai plein dans ma cave. Chez mon cousin à Marseille, il y en a plein des armes. Des pistolets, des tout, on a tout ça. Si tu veux tester, tu veux ta mort, il n'y a pas de souci. Je les appelle au télo et on va venir te tracer, on va te casser ta gueule parce que moi, c'est moi qui coupe les oreilles. Tu ne veux pas m'écouter, ferme tes oreilles. Tu ne veux pas me tester, ferme ta gueule, ne parle pas sur moi. Tu ne veux pas m'écouter, ferme ta bouche, wesh, Zarma. Tu veux tester, voilà, voilà. Je vais de où? Marseille, le quartier nord, tu pourras pas, fais pas le fou, les nombreux, si tu veux ta mort, veux pas me tester. On veut de où? Quartier nord, Marseille, si tu veux ta mort, veux me tester. Je te coupe tes oreilles pour que tu m'écoutes pas. À moi de Ray, quartier nord, Marseille, c'est mes gars sûrs qui me connaissent. Des Kalachnikov, j'en ai vu putain, dans la cave de mon cousin, on a tous les armes que tu veux. Tu veux ta mort, veux pas me tester le fou de quartier nord. C'est où? Qui me connaît, c'est Marseille de quartier nord. De où? Quartier nord, Marseille, testera pas parce que j'ai posé mes feux, j'ai analysé. Veux tous me tester, je pourrai pas tester. Je suis des fous, on est de nombreux, on est de quartier nord. De Marseille, quartier nord de Marseille. Vous voulez pas tester parce que le duc de rap français, j'ai posé mes flots pour jouer avec vous. Vous voulez rigoler, on va rigoler. Vous voulez la guerre, on aura la guerre. C'est moi qui va faire le 95e. Pour poser, il a dit qu'on a posé, qu'il a dit que tu pourras tester parce qu'il a dit osé. Dire tous que j'ai posé mes flots pour le dire que j'ai analysé, pas analysé. Yo, un petit big up, Mamia Elams et son petit, et son ref, Bokeh. Dédicace, je te fais un petit big up, Elams, Bokeh. 10-15, Patsao, Starco, Secteur B, Mafia Team, Panam Street, Sakaya, Sadja, de la petite terre à la grande terre, de la Mayotte et tout, dans tout le monde entier, Wallax Prod, de quartier nord, Marseille, dans mon cœur. Hey, tu veux ta mort, viens pas me tester, Wallax Production. Je vais mettre les choses au clair là, une bonne fois pour toutes, pour terminer cette parenthèse. Moi, je crois pas que, voilà, les gens, ils voient que je fais des trucs bons. Et je dis la vérité, des messages pour les jeunes, pour arrêter la délinquance, les violences, tout ça. Moi, je sais pas pourquoi les gens rigolent. Parce que j'ai fait, j'ai rien fait de mal. Au moins, moi, j'ai un cœur, j'ai conscience, j'ai fait des conneries, j'ai grandi. Je vais pas laisser mes petits frères et mes petites soeurs derrière faire des conneries, des coups bas. Parce que le choc qu'on va attendre qu'un proche à nous, il est mort, il était dealer, il est mort, il a tué à cause de ces conneries qui se passent dans ce monde parce qu'il y a de la violence et tout ça. Non, on réagit pas, on est là, on s'amuse, on chante des musiques à deux balles, on s'amuse, on met des musiques, on s'amuse, on chante, ouais, on va chanter, nanana, on se clash, c'est pas ça, moi je suis pas là pour me clasher avec des gens, c'est pas là pour me casser les couilles, tu vois, moi je suis là pour dire ce que j'avais à dire, tu vois, moi je dis que la vérité, moi je dis, voilà, moi je suis là pour encadrer les jeunes, pour qu'ils arrêtent de faire des conneries, voilà, tu vois, à droite à gauche, il y a des jeunes qui sont dealers, dans toutes les routes, c'est les plus jeunes des plus jeunes, l'âge de 15 ans, qui sont qui font la délinquance, donc, voilà, les gens qui jouent des vidéos, et quoi, moi je fais des vidéos là pour rigoler, moi je fais pas ça pour rigoler, moi je fais ça pour mon petit frère, parce que ça commence à m'énerver, à me saouler de tous les jours, me disputer avec un tel ou un tel ou un tel, parce que j'ai fait ça, j'ai dit ça. Moi je m'en bats les couilles, si tu écoutes, tu rigoles, rigole, mais ne parle pas derrière moi, parce que moi je m'en bats les couilles, parce que comment ça me saoule, comment ça m'énerve, parce que moi voilà, la vie de ma mère, le jour que je vais péter un câble, la vie de ma mère, vous me connaissez pas, mais voilà, vous allez me connaître, moi je dis à mes potes, parce que nous, moi, si j'étais comme à l'ancienne, ou voilà, de l'ancienne d'ici, voilà, je retire depuis longtemps quelqu'un, mais je me suis calmé, tu vois, j'ai arrêté mes conneries, parce que moi, à la base, moi, je rigole avec personne, moi, je dis un truc, à la base, je te casse la gueule, je te trace direct, t'es mort, mais là, mes potes, je les calme, je dis, on ne fait pas ça, moi, la but de ma but de ce que je veux aujourd'hui de dire à la musique, c'est pour que les jeunes d'aujourd'hui arrêtent des conneries, de fumer, de voler, tout ça, c'est pas bien, tu vois, ici, maintenant, il y a des gens qui font des petites vidéos, vite fait, des trucs vite fait, ils rigolent, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je m'en bats les couilles. Vous pouvez rigoler, vous pouvez critiquer, vous pouvez vous dire. Mais la chose que vous comprenez pas, écoutez bien les messages. Qu'est-ce que je parle et qu'est-ce que je dis? Le jour que vous allez comprendre que j'avais raison, c'est le jour que tu vas voir que ton petit frère, qu'on l'a tué, on l'a tiré une balle à la tête, qu'il est mort. C'est le jour que tu vas comprendre que voilà, que c'est la vraie raison. Le jour que vous avez peur, vous allez
père d'un proche en France ou dans une route, qu'on l'a tiré, qu'on l'a tué, vous allez dire que j'avais raison. Moi, j'espère que ça va pas arriver à personne. Donc, avant de que ça se passe, réagissez. Tu vois, moi, j'ai perdu des proches en France, j'ai perdu des gens que je connais, des amis que je connais, par rapport à tout ça, par rapport à la drogue, par rapport à la violence, tout ça, règlement de compte. J'ai reconnu plein de potes à moi qui sont partis. Des balles à la tête, tout ça, moi, j'en ai vu plein. Donc, moi, c'est ça que je veux pas, que ça arrive à nos petits frères et nos petites sœurs. Donc, si vous voulez que vous rigolez. Mais moi, je vais lancer les messages, je vais essayer de faire ce qu'il y a à faire pour que ça change. Parce que là, on est là, on chante, on s'amuse, on fait ça. On rigole, il a dit ça. Moi, je suis pas là pour rigoler. Moi, je suis là pour encadrer les jeunes d'aujourd'hui. Parce que nous, les grands, on montre les mauvais exemples aux jeunes. Mais le jour que tu vas perdre un proche, que tu as entendu que ton proche, il est tiré, une balle dans la tête, tu vas comprendre que j'avais raison. Continue comme ça, rigoler dans l'exprode. Moi, j'ai toujours raison. Et moi, je veux que ça arrive à personne, ça, donc. Avant que ça arrive, réagissez, portez vos couilles et parlez face à face avec moi. Moi, j'ai peur de personne. Moi, je vous dis cache honnête, j'ai peur de personne. Grand, petit, je le démonte. Les gens qui me connaissent, ils sont à Marseille. On l'exprode.